Le lendemain, le jour se lève sur la baie de Banyuls. Jean-Gabriel Soula et Régis Navarsatian sont amis et passionnés des Pyrénées. On y va cool, pas besoin de courir. Ils entament ce matin une longue randonnée. Elle va les conduire des bords de la Méditerranée jusqu'au cœur du massif. Il y a toujours du vent à Banyuls. Toujours. C'est ce qui aussi garantit la belle météo. C'est la partie des Pyrénées qui est méditerranéenne et donc toujours de grosses chaleurs. Donc il vaut mieux partir maintenant. On va passer du très chaud comme aujourd'hui au très froid probablement dans une dizaine de jours déjà. En ce début de mois de juillet, Jean-Gabriel et Régis ont décidé de rééditer une traversée qu'ils avaient réalisée quand ils étaient encore étudiants. On va pas voir grand monde pendant un petit moment quand même. Ça, c'est bon. Pendant une vingtaine de jours, les deux randonneurs vont emprunter les plus beaux chemins des sommets. Ils vont traverser les Pyrénées orientales, l'Ariège, la Haute-Garonne, pour arriver au pied des grands sommets des Hautes-Pyrénées. Un voyage exceptionnel de près de 22 000 mètres de dénivelé. Se mettre en canne, comme on dit. Il faut prendre le bon rythme pour bien attaquer, quoi. Pas courir, mais allonger le pas un peu, quoi. Hein? Rester au moins dans les 400, 450, voire 500 mètres de dénivelé à l'heure. Ouais. Il faut qu'on le tienne. Il faut qu'on le tienne parce qu'on s'est fixé ça. Et puis les premiers jours, ben, ça va être un peu difficile, mais le corps s'habitue. Pour les deux marcheurs, les premières difficultés commencent sur les contreforts du mont Canigou. Il faut faire vite. Jean-Gabriel et Régis veulent passer leur première nuit au sommet. Les gens qui aiment la montagne, ils aiment toutes les montagnes. Mais nous, on est nés ici et on a grandi ici. Donc, il y a une saveur particulière à les traverser. Les deux amis doivent maintenir un rythme soutenu. Ils sont là. Joli le rocher. Un épais brouillard, arrivé de la vallée, surprend brusquement les deux hommes. L'ascension devient périlleuse. Allez, Reg, on y est. Hop. Tranquillement. 10 derniers mètres. Et on se pose. Allez. Ils doivent passer une dernière arête pour découvrir enfin la fameuse croix du sommet. Installée en 1961, à 2784 mètres d'altitude. Ouh ! Bien ! Écoute, hein? Il va falloir faire vite pour monter le camp. Ouais. Le vent se lève et la température baisse rapidement. Jean-Gabriel et Régis doivent impérativement se protéger du froid. Il faut aller très vite. Là, l'important, c'est vraiment de ne pas se refroidir. Ensuite, on part avec du matériel léger, mais du matériel très performant. Ça, on ne peut pas jouer à ces altitudes-là et sur ce genre de traversée. Ensuite, quand tout est monté, on est hors vent. Après ça, on peut manger, boire chaud, et tout de suite, on se requinque. Bojano, c'est prêt? Ça va, oui. Ouais. Ouais, c'est chaud. Au menu des deux randonneurs, une simple soupe lyophilisée et un café soluble.
Tiens. Merci. Un café? Allez, volontiers. C'est pas le meilleur café du monde. C'est pas grave. Mais c'est le meilleur endroit pour le boire. C'est ça qui est important. Voilà. Ah. À la tombée de la nuit, Régis profite du silence, loin de toute présence humaine. À chaque fois, être en montagne, c'est quelque chose qui est prenant, quoi. Ça permet de prendre du recul et, sur le quotidien, sur le travail, sur la vie de famille, sur tout, en fait. J'ai besoin de ces périodes pour me ressourcer et me retrouver, ouais. C'est ça que ça permet, la montagne, aussi. Ici, on pose le moment. Hé, hey, mon gars. Ouais. Demain. À demain, oui. Hop. Allez, vas-y. Ouh là là, regarde. Le soleil qui se lève. Jean-Gabriel s'est levé avant l'aube. Wouhou ! La côte méditerranéenne s'offre à lui. Le soleil se lève sur la Méditerranée. La crête des Alberts où on était hier matin. L'Espagne, plein sud. C'est une histoire de roches, c'est une histoire aussi d'un ensemble de cultures qui font un massif. Tu es catalan, tu es ariégeois, tu es béarnais, tu es bigourdan. Tu es basque. Tu es basque, tu es espagnol. Mais avant tout, tu es pyrénéen. C'est un massif, mais c'est des gens. Les deux marcheurs lèvent le camp. Ils vont maintenant traverser le parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Dans une semaine, nous les retrouverons dans l'un des sites les plus renommés du massif, la Brèche de Roland. Nous abandonnons l'Ariège pour atteindre le centre de la chaîne et les Hautes-Pyrénées. À Saint-Lary-Soulan, nous pénétrons dans le parc national. Ici débute le paradis des montagnards. Nous dépassons le cirque de Gavarnie pour gagner le port de Boucharo à 2270 mètres d'altitude. C'est la voie normale pour venir ici pour les commerçants qui passent par là. À la hauteur du col des Tentes, Jean-Gabriel et Régis, les deux randonneurs que nous avions laissés au sommet du pic du Canigou, entament leur 18e journée de marche. Pour ce voyage, au fil des crêtes pyrénéennes, un ami accompagnateur en montagne les rejoint, Joël Casteran. Bon, ça tourne au grand beau quand même. Hein, ça tourne au grand beau cette histoire. Hein. C'est superbe. Grâce à lui, ce soir, ils bivouaqueront sur la Brèche de Roland. Joël habite dans la vallée et connaît le moindre recoin de ce territoire. Allez, on va traverser les moutons. Dire qu'ici, tu vois, on n'a pas de production fromagère en fait. Hein. Ou très très peu en tout cas. Ah, c'est pour la viande là, les brebis. Là, c'est pour la viande. Ici, sur le secteur du Pays Toy, on a une viande qui est très goûteuse. C'est une AOC, mouton du Pays Toy, de Barèche-Gavarnie. Donc en fait, la vie animale et la vie humaine, avec le pastoralisme, a vraiment un impact très important sur le paysage. Avec des paysages comme ça, tu m'étonnes qu'ils aient de la bonne viande. Le trio longe une première arête. On travaille quand même les trous, Jean-Gabriel. Hein, parce que là, on a du calcaire, ça rongeait partout. Ah, t'as vu, on a la jonction entre du calcaire et du grès ici. Hein. On est vraiment sur un balcon. Les trois hommes doivent traverser une barre rocheuse coupée par un torrent. Enfin, après 3 heures de progression, ils arrivent au col des Saradets.
s'ouvre devant eux, le cirque de Gavarnie. Tout à gauche, là-bas, on retrouve le petit pic d'Astazou, donc le bord le plus à l'est de Gavarnie. En suivant la crête, on arrive sur le grand sommet du Marboré, à 3248 mètres d'altitude. Et puis après, on trouve les trois pics de la cascade qui surplombent cette chute d'eau qu'on aperçoit là, dans le fond. Une belle chute qui fait plus de 420 mètres de hauteur, qui est la plus haute chute de France, avec un long passage, environ 200 mètres, où elle ne touchera pas la roche. On voit très très bien là. Il leur faut encore gravir quelques dizaines de mètres pour apercevoir le géant des Pyrénées françaises. Et voilà. Regarde. Le Vignemalin. Son sommet culmine à 3298 mètres. Durant l'été, des dizaines de passionnés de montagne affrontent chaque jour ce sentier. Ah, y a du monde un peu. Bah, oui, mais regarde, depuis tout à l'heure, tu vois, ils sont tous sur la descente. 15h. Ah, 15h, ouais. Milieu de journée. C'est vrai qu'on dit la montagne se vide à 17h, 18h. Il reste les gens qui bivouaquent, les gens qui dorment au refuge. J'ai toujours l'habitude de voir cette montagne-là fréquentée. Ensuite, c'est vrai que nous, on la pratique souvent aux pointes du jour, 5h du matin. On a déjà attaqué à 4 parce qu'on aime voir le soleil se lever alors qu'on est déjà haut. Dans un endroit comme ça, on va voir du monde. Et ensuite, dès qu'on va s'éloigner des sites touristiques, on va partir plus vers l'ouest. Mais pendant 2, 3, 4 jours, on va peut-être rencontrer 1, 2, 3 personnes dans la journée. Plus on marche, plus on se retrouve seul. Un peu plus haut, la piste disparaît et laisse place à un gigantesque pierrier. Bon, t'as vu qu'on retrouve encore le Vignemalin à droite ? Ah ouais, superbe. On va avoir une super soirée, là. Allez. Ici, des névés, des langues de neige, résistent à la chaleur du soleil. T'as vu, c'est étonnant, hein, cette forme. Forme que fait la neige, ici. Bon, la neige est nickel, hein. Ça va monter tout seul. Cette couche épaisse s'étend sur plusieurs centaines de mètres. Vous avez dû le voir, cet endroit-là, il y a 25 ans que vous êtes passé. C'était totalement en neige toute l'année. Ça ne fondait pas du tout, la roche était invisible. C'est vrai, moi je me rappelle l'avoir passé dans la neige ici. Il n'y avait même pas le creux qu'on a là derrière. Non, il n'y avait pas ça. Le glacier a totalement disparu au début des années 2000. Pourtant, il y a un siècle à peine, il faisait encore plus de 15 hectares. Les trois hommes progressent sur la moraine, un amas de débris rocheux érodé et transporté par l'ancien glacier. Enfin, après une heure de marche dans la neige, le trio atteint la brèche de Roland. Elle marque la frontière entre la France et l'Espagne. Cette muraille naturelle de calcaire sépare la Bigorre du Haut-Aragon. Les trois montagnards passent maintenant sur le versant espagnol et profitent d'une vue imprenable sur le parc national d'Ordesa. Ils longent d'abord les falaises de la pointe de Basillac, en empruntant un pierrier qui mène à une succession de petits lacs et de névés. C'est ce décor magnifique que le guide a choisi pour passer la nuit. Bon, on va être pas mal là. Ils sont accueillis par un randonneur solitaire. Bonjour. Salut Joël. Dominique. Régis. Enchanté. Jean-Gabriel. Salut. Ça va ? Oui, ça va. Tu dors ici, ce soir ? Ouais, ouais, je vais dormir ici, ouais. Bon, tranquille, pas trop de monde. Parfait. Ben écoute, on va être avec toi. C'est un peu moins tranquille, mais ça va être bien quand même. Allez, voilà, un petit bout à 4 étoiles. On a la brèche de Roland qui se reflète dans la petite mare. Le casque derrière. Allez, on va t'installer. Ce soir, les quatre hommes
montent leur bivouac à 2600 mètres d'altitude. Just to miss a day. Pour moi, c'est le top du top, dormir dehors. Dormir entre quatre murs, c'est toute l'année. Et là, c'est juste parfait de dormir dehors. On a tous notre notion du luxe. Moi, c'est la mienne, celle-là. Après, un hôtel et un spa, c'est agréable aussi. Hein. Mais c'est un autre plaisir, quoi. C'est notre plaisir. Moi, ça me plaît, ça. Ce coin-là, j'y suis venu pour mon bac pour la première fois. C'était mon cadeau de bac, un cadeau de mes parents. Ouais, ouais. Guidé, hein, avec un guide et tout. Hein. Tu vois, aujourd'hui, passer derrière le miroir comme ça, se retrouver là, ouais, c'est du bonheur. Ouais. C'est du bonheur. On a vraiment des couleurs pastel qu'on n'a pas eues de toute la journée. Jean-Gabriel ne veut pas rater le coucher de soleil sur la brèche. C'est ce moment de la journée où les contrastes sont les plus doux. Demain matin, avant l'aube, les trois hommes reprendront leur traversée.